Bonjour, alors dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un article que j'aime énormément. C'est la Notea de Booking. C'est une liseuse, un bloc-notes numérique et une tablette sous Android. Elle est vendue au prix de 400 balles, ce qui fait un peu cher, mais ça en vaut la peine. Moi, je regrette pas du tout mon achat. Elle est livrée avec un stylet, avec une batterie. À l'intérieur, il y a des mines de rechange pour le stylet, il y en a deux. Les câbles nécessaires pour charger le stylet. Stylet que je recharge directement sur la Notea et un câble pour recharger la Notea, soit sur une prise de courant, soit par l'ordinateur. Donc voilà, très belle boîte. Je ne vais pas vous parler des détails techniques parce que je ne suis pas un professionnel. Je vais juste vous parler de ce que moi je ressens et comment je l'utilise. Donc elle est là. Ça, c'est une étui de protection qui est vendue à part. On en parlera après de cet étui de protection. Donc là, vous avez le stylet qui est aimanté, ce qui est pas mal parce que à la recharge, il faut dévisser le capuchon, enlever le capuchon et hop, ça permet de ne pas le paumer. Je suis sûr que je l'aurais déjà paumé si ce n'était pas aimanté. Donc, je vais le remettre en place et je vais vous montrer la Notea. Bon, bref. Voilà, elle est compatible Android avec le Play Store. Vous pouvez absolument tout charger du Play Store, Gmail, YouTube, mais bon, c'est pas conseillé pour les vidéos. J'ai téléchargé Kindle pour avoir ma bibliothèque Kindle, exactement comme une Kindle de Amazon. Donc moi, j'ai pris ça parce que c'est un très grand écran et sur une Kindle ou sur une petite tablette, c'est un peu compliqué pour lire des mangas et avec ça, aucun problème. Et on a une super image. Je vais vous montrer ce que ça donne. Là, je vous ouvre les Chevaliers du Zodiaque. Donc, je vais retourner au début. Voilà. Donc, ouais, vous voyez, l'image est très très belle. On peut également changer des paramètres. On peut changer les tailles, changer la couleur. Pas la couleur, mais plutôt le contraste entre léger, original, fort, très fort. Moi, sur les chevaliers du zodiaque, je préfère fort pour bien pouvoir voir les textes. Donc, le confort de lecture est vraiment très agréable. Et vous voyez comme c'est fluide. Et les pages bouge vraiment très bien sans aucun problème. Pareil, je peux vous montrer la même chose avec Olive et Tom. Voilà, vous voyez. Là, je vais vous montrer ce manga-là, parce que c'est un manga couleur, et vous verrez comment ça donne. C'est pas super top là, parce que le fichier téléchargé est un peu merdique. C'est uniquement les scans du manga qui ont été scannés. Les pages du manga qui ont été scannées. Mais c'est tout à fait appréciable. Hop. Vous avez Dragon Ball. Vous voyez, c'est vraiment parfait, vraiment fluide. Même pas besoin de faire de zoom. Hop, hop. Là, vous avez dans les romans, qu'est-ce que j'ai? Plein de choses. Romans de zombies, Walking Dead. Voyez, c'est très fluide. Donc, pareil, vous avez les options. Vous pouvez choisir la police, différents types de police, manuscrites. Par défaut, les contrastes,
Voilà, plein de choses à régler. Et la partie bloc-notes numérique. Donc, je vais vous montrer. Donc là, je prends n'importe quoi. Donc, on peut même télécharger des petites pages personnalisables. Donc, je vais vous montrer où ça se trouve, ça, modèle, dans modèle. Donc, vous avez les modèles de base qui sont dans la tablette. Par exemple, je clique ici. Vous avez ce modèle-là. Je clique ici et les modèles que moi j'ai fait ou que j'ai téléchargés qui sont là. Bon, un petit planning avec Sangoran. Sympa. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est très fluide. 1er janvier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous avez également des boutons sur le stylet qui vous permet de faire des actions comme par exemple effacer. Effacer ce qu'on a écrit. Moi, je ne l'utilise pas parce qu'il faut tout le temps charger le stylet et je ne le charge jamais. Donc, moi, je vais là. Si je veux effacer, c'est très simple. Hop. Effacer, effacer, effacer. Ouais, c'est très simple. Hop, 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 hop. Maintenant, si je prends une page blanche, ouais, ça marche très bien. Bonjour. Vous voyez, c'est très fluide et vous pouvez même changer la taille de la mine. Par exemple, là, je vais sur la dernière et c'est beaucoup plus gros. Un stylo, crayon. Crayon. Pinceau. Oui, c'est bien foutu. Donc, je me suis même amusé à faire des dessins. Hop, chaîne des chevaliers de Zodiac. C'est très très facile à faire. Avec le stylo, ça marche très bien. Donc, moi, j'adore, j'adore, j'adore cette Notea pour faire des dessins, comme vous voyez là. Pour prendre des notes, pour lire beaucoup de mangas, très grande et parfaite. En plus, elle est très fluide, la batterie se décharge très très lentement. Par contre, elle se recharge aussi très lentement, je trouve. Sur un ordinateur, ça prend beaucoup de temps et prise de courant, ça va un peu plus vite. Mais bon, je trouve qu'elle est quand même longue à la charge. Bien sûr, il y a le Wi-Fi hein, pour télécharger. Vous avez les paramètres. Vous pouvez régler la lumière ou la lumière filtre pour la nuit. Différents types de paramètres. Paramètres un peu plus avancés, comme tout produit. Donc, si vous aimez les mangas, si vous avez besoin d'une grande liseuse pour lire, ou si vous avez besoin de prendre des notes, même pour l'école et tout ça, c'est super. Je la trouve excellente. Pas de problème d'écriture, c'est très fluide, facilité d'effacer. Donc, un très bon achat que je conseille. Et j'avais dit que je vous parlerai de l'étui de protection. Donc, le truc de bien avec l'étui de protection, c'est que le stylo se mettre là et hop il tient. Mais pourquoi point négatif sur cet étui? Parce que c'est tout simplement merdique. Ils vendent ça à 35 € frais de port compris. C'est juste un bout de carton, un bout de carton qui ne protège absolument rien. Ça permet de l'éteindre et de l'ouvrir, voilà, pratique, mais bon, ça protège rien.
c'est fixé avec des bandes adhésives là derrière, et c'est tout. Et ils vendent ça à 35 euros sur une liseuse qui coûte 400 balles et qui ne la protège absolument pas du tout. J'attendais quelque chose de beaucoup mieux et de beaucoup plus classe qu'un bout de carton. Franchement, vous prenez un colis Amazon, vous découpez dedans aux mêmes mesures et voilà, c'est bon, c'est fait. Bon, c'est le seul point négatif que je trouve à cette liseuse, tablette, bloc-notes, c'est son étui. Mais sinon, à part ça, je la trouve vraiment géniale.